Dans ce chapitre, nous allons voir les répertoires dans Gimp, répertoires qui nous permettent d'installer nos greffons. Pour cela, il faut aller dans Édition, Préférences, qui ouvre la boîte de dialogue de préférences, et vous avez ici Dossier, qu'il faut déplier en cliquant sur la petite flèche. Dans, le, dans ce sous-répertoire dossier, nous avons plusieurs choses. Alors sur le dossier lui-même, nous avons les fichiers temporaires de GIMP. Nous avons le fichier des brosses, dynamique de brosse, motifs, et ainsi de suite. Nous allons particulièrement nous intéresser à la partie greffon. Dans cette partie greffon, nous avons déjà des dossiers qui sont installés. Par défaut, il y a déjà le chemin de dossier, en tout cas dans, sous Windows qui est User, donc Utilisateur, le nom d'utilisateur, .gimp2.8, plugin. Également, un autre répertoire, qui est le répertoire d'installation de GIMP. On peut donc installer également un nouveau dossier en cliquant sur cette icône. Le point rouge s'active, c'est-à-dire qu'on va enregistrer le dossier. Il suffit de cliquer... Et de rechercher un dossier greffon sur le disque, par exemple. Je vais aller dans graphisme et, euh, et travaux. Je n'en ai pas de greffon ici, mais je peux valider comme ça. Et vous voyez qu'on a bien ajouté un dossier dans lequel nous avons des greffons. Ça peut être pratique si vous avez pour habitude de conserver euh, vos brosses et autres euh, autres outils de travail de GIMP dans un répertoire bien précis, distinct de GIMP. Pour des raisons multiples par exemple vous avez un disque système et vous ne souhaitez pas euh, en cas de plantage avoir à tout réinstaller donc vous avez juste indiqué les chemins qui se trouvent sur un, un, un disque où vous avez vos données évidemment j'ai pas de greffon ici donc je vais supprimer en appuyant sur la poubelle ah, avant de, de supprimer pardon on a ici ces flèches qui permettent de de regarder l'ordre dans lequel GIMP va chercher ses greffons. Donc ici, commence par le répertoire User, puis ensuite dans euh, le répertoire de GIMP, et puis finalement dans mon répertoire Travaux. Si on veut euh, prioriser Travaux, évidemment, il faudra le mettre sur le haut de la pile. Je vais maintenant supprimer ce, euh, ce répertoire. Une fois que vous avez fait votre installation, votre paramétrage, il suffit de cliquer sur valider. Pour l'installation des greffons, évidemment, nous venons juste de voir les répertoires dans lesquels on va les installer. Il faut aller sur internet, utiliser votre navigateur préféré et il faut télécharger donc les greffons. Alors petite explication. Dans votre moteur de recherche, lorsque vous recherchez gimp.org vous avez évidemment différentes euh, possibilités. Alors je vais aller sur la page principale et vous avez ici sur la partie de droite donc download qui vous permet de télécharger la version euh, de Gimp actuelle. Et vous avez ici Plugin Registry. C'est ici que vous allez retrouver euh, les, euh, les greffons qui sont compatibles GIMP. Pour savoir s'il est compatible avec votre version, il suffit, dans la plupart des cas, de lire euh, ce qui se trouve dessus. Je ferme. J'ai déjà effectué les recherches pour vous. Donc, ReSynthizer. Alors je, je, évidemment, je vous mettrai les liens euh, en commentaire pour aller di accéder directement à la page de téléchargement. Resynthizer. Resynthizer, c'est le greffon qui va nous permettre de faire disparaître des objets euh, en deux opérations et de façon euh, assez, assez simple, assez, euh, assez automatique. Donc vous avez deux versions. Ici, la version pour Linux et la version pour Windows. Alors, on regarde ici, on a la version euh, supportée. Donc, ce plugin fonctionne sous GIMP 2.x. C'est-à-dire que notre version actuelle, euh, aujourd'hui, est à 2.8.10. Donc, ce greffon va fonctionner. De même pour Liquid RESQUAL. Alors, vous voyez ici un exemple. Ça permet d'allonger une partie d'une photo tout en conservant ici euh, l'homothésie sur l'autre partie. On vérifie également et nous avons euh, les versions qui sont euh, tolérées, donc c'est la 2.6, la 2.7 et la 2.8. Nous avons de la chance. Alors si vous ne souhaitez pas euh, euh, vous embêter à installer euh, tous ces greffons et euh, les différentes librairies, il existe la possibilité de télécharger une version de, Gip, de GIMP, pardon. Déjà modifié. Euh, je vous mettrai également le lien qui a été développé euh, donc par, euh, par euh, je un utilisateur averti. Et là, vous avez donc Gimp pour euh, pour Macintosh, Gimp pour Windows 64 ou 32 bits. Vous avez aussi, alors je ne l'ai pas essayé, des versions expérimentales. Euh, par contre, la version, euh, la version Windows 64 bits, j'ai essayé, elle fonctionne parfaitement. Et euh, pour euh, en avoir eu un écho, la version Mac, o euh, Mac o x 64 bits fonctionne également. Euh, et vous avez euh, donc différents greffons, alors ici dans les plugins, vous avez Gmix, Euphro qui permettent donc de récupérer des images au format RAW. Euh, radical je m'en suis pas servi resynthizer donc évidemment celui qui nous intéresse refocus it alors celui-ci euh, bah ma foi je pas réussi à le retrouver dans le dans le pack de greffons alors peut-être qu'il ne fonctionne pas parce qu'effectivement euh, refocus it lorsque vous cherchez à l'installer on a toujours un problème de dll manquante donc je n'ai pas retrouvé dans mon greffon euh, et vous avez euh, liquide euh, Liquid resqual euh, etc donc ici vous allez avoir tous les greffons euh, qui permettent euh, de, euh, de travailler euh, tranquillement avec gimp hein, la plupart du temps vous allez avoir au synthizer euh, Gemic, qui reviennent souvent et euh, liquide resqual qui est ici euh, liquide squaling donc euh, les deux greffons que nous allons utiliser aujourd'hui alors pour télécharger donc Soit vous téléchargez cette, cette version et vous l'installez. Et on n'en parle plus. Soit vous allez donc le faire de façon traditionnelle. Ce que je vais vous montrer maintenant. Alors pour Liquid Resquale, bah euh, on clique dessus. Donc il nous faut un, un logiciel pour, faire, pour décompresser. Donc on l'enregistre. J'ai enregistré le fichier. Alors moi je vais l'enregistrer de façon à le retrouver. Donc, soit vous faites sur le bureau. Moi, je j'ai dédié un disque pour le téléchargement de, de euh, des différentes choses. Voilà, c'est fait. À partir de ce moment-là, je vais ouvrir mon répertoire. Donc ici, nous avons le répertoire. Je double clique et j'ai mon greffon euh, ici. Alors décidément, tout s'ouvre sur la fenêtre d'à côté. Voilà. Donc le, une fois que vous avez le, la version euh, des IP, il suffit d'ouvrir et là vous copiez l'intégralité. Donc il suffit de faire un CTRL-A sous Windows. Ensuite j'appuie sur la touche CTRL. Je reclique gauche ici parce que je ne prends pas cette, cette version-là. Et je vais maintenant vérifier dans GIMP ici. Vous vous souvenez, on avait regardé euh, ici dans GIMP, euh, pardon, euh, dans les préférences, les dossiers. Donc le dossier qui m'intéresse, moi, c'est Greffon. Alors, soit j'ajoute maintenant mon Greffon, comme tout à l'heure je vous ai montré, c'est-à-dire que j'ajoute je, je, un dossier. Là, voilà, ici, par exemple, je vais tout simplement extraire l'archive ici. qui me fait une deuxième archive. Donc je vais encore extraire ici. Euh, c'est pas manque d'emballage hein, qui va sa vie, mais celle-ci, d'archive. Ouais. Je vais extraire de nouveau ici. Pop, pop, pop. Voilà. Donc ici, j'ai mon archive. Voilà. Et euh, qui est là. Donc ça, c'est euh, liquide Resqual. Donc si on veut euh, avoir liquide Resqual, J'ajoute ici, je vais sur E, c'est la première méthode. J'ai ici mon répertoire liquide et voilà, donc ici, il suffit que je, je valide, et donc j'ai E liquide ResQual, plugin, et donc là j'ai liquide ResQual qui va être actif pour, euh, pour GIMP. Ça, c'est la première méthode, hein, si vous ne voulez pas encombrer ici vos, euh, avec vos plugins euh, le, le, le plugin enregistré c'est pas celle que je vais utiliser donc j'efface moi je vais aller sur euh, cette partie là donc je copie je sélectionne je fais un clic droit copier et je vais ouvrir un autre navigateur alors pour cela sous windows c'est la fenêtre plus le <coughs> la touche e comme explorer et euh, je vais bah, euh, saisir directement donc contrôle v en haut sur la barre des titres entrée et je suis dans le répertoire <coughs> pardon excusez moi et je suis dans le répertoire plugin à ce moment là ici il suffit que je, con... je sélectionne tout dans ce que j'ai des ip et je le glisse alors je le glisse ici dans plugin Vous voyez bien hein, le plugin est là il va copier répertoire et sous-répertoire. Je ne le fais pas puisque j'ai déjà installé ce plugin. il suffit de lâcher et puis vous allez donc vous retrouver avec l'intégralité du plugin sous votre répertoire. J'ai donc installé le premier plugin Liquid West Qual. Je ferme cet onglet. On recommence l'opération. Donc là vous prenez la version qui vous intéresse, plugin pour, pour, pour Windows. Et on recommence de la même façon, c'est-à-dire à copier, on télécharge. Voilà, dans, euh, dans E ou autre. Et euh, vous dézippez de nouveau. Donc les deux méthodes sont valables. Alors, différentes méthodes s'offrent à nous pour mettre une image dans GIMP. Je vais utiliser la méthode fichier. Ouvrir. Je vais aller maintenant sur le répertoire qui contient l'image que je veux traiter. Donc ici, graphisme, mes tutos, Gimp, et je recherche mon image. Donc ici, photo originale. J'ouvre la photo. Premier réflexe, tout de suite, fichier, enregistrer et je vais enregistrer donc mon image dans mes tutos bon, je la laisse photo original.xcf voilà mon fichier gimp est enregistré je vais faire un clic droit ajouter un canal alpha Dans GIMP, nous avons ici le menu Couleurs, qui nous offre, comme vous pouvez le voir, un, un ensemble d'outils pour pouvoir corriger et euh, revoir la couleur. Nous n'allons pas tous les voir, et euh, nous allons euh, juste euh, regarder euh, euh, Niveau et Courbe. Alors, je vais commencer par Niveau. Alors, sous GIMP, nous avons des images au, euh, au format rouge, vert, bleu, r, v, b. Euh, oui. sur cette image, ici, on a euh, un spectre qui est représenté ici par euh, cette courbe. si je modifie ce curseur, je vais modifier l'image dans son ensemble niveau de ses valeurs. Ici, nous sommes bien sur valeurs. On peut changer par canal, donc ajouter du rouge ou l'enlever. La même chose pour le vert ou pour le bleu, de même que pour le canal alpha. Le canal alpha étant le canal de transparence. GIMP nous propose également de faire un ajustement automatique. Je vais essayer. Je clique. Voilà ce que la salle me donne. Alors, je trouve que l'image est très lumineuse. Alors on peut également aussi aller pointer sur du gris ou pointer sur du blanc. Si ici si le blanc... Le, le, on a le, le, le blanc qui est de 255, c'est sa valeur, et 0 pour le noir. Donc je pointe du gris, donc une, à une tonalité moyenne, et ça va, vous voyez, me... Alors je réinitialise, ça va nous changer toute la cartographie de la... Euh... Euh, de la couleur. Alors je zoome, j'ai essayé de chercher un point euh, à peu près médian, voilà. Parce qu'en fait le gris c'est le point médian, vous voyez. Et là quand je clique là-dessus, je me retrouve avec une image euh, qui n'est pas, pas trop modifiée. Alors, je peux m'amuser à cliquer là, vous voyez, hein, ça change un peu. Là c'est un petit peu trop bleu, et là ici j'ai une, une belle couleur. On peut aussi euh, dans valeur donc aller par exemple sur le rouge. Et modifier un petit peu le spectre du rouge pour donner une couleur un peu plus chaude. Ou au contraire, aller sur le bleu pour donner une couleur un peu plus froide. Bon, je vais rester sur le 1 ici. Donc je sélectionne, je saisis 1 et je fais entrer. La couleur me convenait. Donc, je valide. On a ici déjà une couleur qui est fort sympathique. Au niveau toujours de couleur, nous avons les courbes. Alors cet outil est assez particulier, parce que lorsque je me déplace ici, euh, voyez-vous, sur euh, la partie de la photo, une pipette apparaît. Alors par exemple, si je veux euh, corriger la couleur du sable, je clique sur le sable, et GIMP m'informe que cette couleur se trouve ici. Alors il suffit que je fasse un petit point avant, un petit point après, et je peux, alors j'ai exagéré, hein, voilà, je peux tirer sur la couleur pour la saturer, désaturer, voilà. Donc évidemment, ça se fait par petites touches. Donc on peut euh, on, on peut tout simplement modifier les teintes, les couleurs, la saturation, voilà. Aussi facilement que ça dans GIMP. Alors, si on joue trop avec ça... Je ne sais pas si ça va se voir à la vidéo. Mais on a ici un phénomène de bruit. Alors, je vais zoomer. Voilà. Vous voyez, le ciel, là, il nous fait euh, cette espèce de, de, de tâche euh, sale. Euh, ça, il faut s'en méfier hein, au niveau des, des réglages. Vous voyez Là, voilà, on a un ciel qui est à peu près... Euh, qui est pas trop mal. Voilà. Je vais l'assombrir légèrement en haut. Je dézoome. Alors pour zoomer, dézoomer dans GIMP. Euh, avec votre souris 3 points, vous avez la molette au milieu. Vous enfoncez la touche contrôle. Et en allant vers l'avant ou vers l'arrière, on arrive à zoomer ou dézoomer. Donc moi la photo, elle me semble pas trop mal. Ici nous avons un bleu avec euh, un dégradé. Donc euh, on a conservé le maximum d'informations de, 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 de l'appareil photo. Je valide mon option. On peut également aussi jouer euh, au niveau de la luminosité du contraste. Alors pour cela, il y a luminosité et contraste. Alors si j'augmente la luminosité, voilà ce qui se passe. Il y a un voile. Donc on peut éclairer. Et si on augmente trop le contraste, on a des couleurs vertes et on voit les défauts de la photo. Donc là, c'est, euh, je dirais, s'auto-juger. Hein. C'est à vous de voir ce qui vous plaît graphiquement en, en termes de, de rendu. Alors, moi, j'annule parce qu'en fait, cette photo, euh, j'avais déjà calculé longuement la lumière avant de, de, de la prendre. Donc, c'est une, une, une photo qui me, qui me convient. Je vais créer un calque. transparent que je vais mettre au dessus. Je vais prendre l'outil dégradé et j'ai bien prendre un dégradé de noir vers le, bla vers le bas. Alors pour avoir une ligne droite, pour que ça soit pas une ligne folle, vous appuyez sur la touche contrôle et comme vous voyez, il va se décaler d'un certain pas. Voilà. J'ai maintenant mon image avec un dégradé. Je vais passer cette image en saturation. Vous avez un noir et blanc. Vous voyez. On peut jouer ici sur les masques de calque. Nous ici, on ne cherche pas à avoir une image en noir et blanc, mais bien elle est bien à traiter une couleur. Je retire le calque qui est dessus et on a cette image. Alors, je vais passer mon calque en lumière douce. Vous voyez, avant, après. Et on va jouer ici légèrement sur la fusion des calques. Donc rien du tout, c'est comme si je n'avais pas le calque de dessus. Et je vais ajouter, voilà, une partie de, de ce calque. Alors, ça me satisfait au niveau du ciel, je suis content. Par contre, j'ai trop de lumière en bas. Que la seule tienne. Je vais aller ici. Je sélectionne la partie où j'ai un peu trop de lumière à mon goût. Voilà. Je suis bien sur ce calque là. J'appuie sur la touche suppression. Voilà. Et j'ai euh... sélection. Aucune. Voilà. Et j'ai donc ici une belle démarcation. Ce qui ne va pas. Alors, on peut faire différemment. On a donc ici couleur de premier plan vert transparent, comme vous voyez. Hein. Donc, je reprends ici. Donc, je, je fais ex exprès de, de vous faire quelques bêtises afin de vous montrer ce qui peut se passer. Donc, le marquage, etc. Donc là, si on prend noir vert transparent. Oui, alors, ici, je vais supprimer ce calque. Et j'en crée un nouveau. Donc, le calque, il va à la poubelle. Et donc, celui-ci. Voilà. Et donc là, il est en mode normal. Vous voyez, donc il est un petit peu... On arrive à assombrir. Et moi, j'avais dit que j'allais le mettre en lumière douce ce qui permet d'avoir, voyez, de foncer un peu le ciel de façon artificielle. Donc avec et sans. Et comme nous sommes ici avec un outil de dégradé où nous avons pris du noir vers le transparent, eh bien la partie basse de la photo euh, est conservée. Je suis satisfait de mon travail, il suffit que je fasse une fusion vers le bas. Et j'enregistre. Alors, pour effacer un objet avec Resynthizer, la donne étant installée maintenant, nous allons procéder comme suit. Je vais me mettre ici sur l'éditeur de sélection. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais zoomer, donc Ctrl molette avant, et je vais mettre sur les détails que je souhaite, euh, pardon, sur les détails que je souhaite euh, enlever. Je vais commencer par euh, cette femme ici. Donc pour cela, j'utilise l'outil lasso et je vais donc prendre tout ce que je veux faire disparaître. Alors, ici, il y a une partie d'ombre également. En faire le tour grossièrement. Voilà, ma sélection est faite. Je vais maintenant dans filtre, amélioration. Il sélectionne. Désolé pour mon anglais. Alors ici, nous avons euh, le contexte qui nous explique que ça, il va prendre ce qui se passe autour à 50 pixels près. Alors en montant ici avec le curseur on voit que 50 pixels, eh bien, euh, ma foi, c'est de là à là. Donc, ça fait l'épaisseur euh, de, euh, de ma sélection, pratiquement. Donc, je retourne. Là, on nous dit tout autour. Alors, à ce niveau-là, je vais donc redéplacer ici. À ce niveau-là, on va observer ce qui se passe. Est-ce que... Euh, je souhaite avoir cette vague ici qui risque d'être à 50 pixels dans ce motif-là. La réponse est non. Donc pour moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir ce qu'il y a sur les côtés, de façon à ce que ça soit à peu près identique. Donc je vais prendre ici, Sides, euh, la façon dont ça va euh, corriger. Alors, ici c'est de l'anglais, donc euh, on va euh, prendre de l'extérieur vers l'intérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur. Alors on essaye, on voit ce que ça donne. Si ça ne fonctionne pas bien, si le résultat n'est pas net, on essaye une autre méthode ici dans cette boîte de dialogue. Il hein, n'y euh, a pas de cas précis. Voilà. Euh, Resetizer est appliqué. Il n'y a pas de cas précis. Il hein, faut voir au oh, cas par cas. Et ici, vous voyez, dans la boîte de sélection, j'ai annulé la sélection. Et je peux partir maintenant sur la sélection suivante. Donc, hop. Et faire ainsi de suite. Voilà, maintenant je fais filtre, répéter il sélection, vous voyez, hop, j'annule, les bois ici, c'est pareil, MGN, eh bien, euh, je le fais, filtre, répéter il sélection, j'annule, la sélection, et ainsi de suite. Alors un cas particulier, ici on a de la mer et on a du rocher. Alors ça, on va le traiter aussi de la même façon. Hop. Alors là, je vais venir au plus près de ce que je vais faire disparaître. Voilà. Je fais CTRL F. Alors CTRL F je vous rappelle c'est filtre répéter la, sé euh, la sélection. Enfin c'est on répète le dernier filtre. Et j'annule ma sélection ici. Et ça l relativement vite. Ici j'ai oublié une petite, euh, petite partie. CTRL F. Voilà. Vous voyez qu'ici nous avons déjà euh, d'emblée supprimer un tas de, de, de choses qui nous gênent donc euh, ici pareil euh, on a les gens qui sont à cheval entre la mer le sable Je reviens ici. Alors pourquoi est-ce que je zoome là Vous voyez, il y a le reflet. Donc CTRL-F. Et on va voir si la méthode ici peut s'appliquer. Voilà, je dézoome. Là, on s'aperçoit qu'il y a un petit défaut. Juste là. Alors pour ça, pardon. Eh bien, je recommence ma sélection tout simplement. Hein. Hop. CTRL-F. Et là ça l'a reconstruit. Voilà, tout bêtement. Donc là j'ai continué sur la photo. On se retrouve lorsque j'aurai effacé tous les personnages. Voilà, donc euh, tout a été effacé. Il euh, y a quelques petits défauts. Alors je ne les ai pas corrigés de suite pour vous les montrer. Vous voyez ici, ici il y avait des, 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 des personnes qui étaient là. Et on a euh, ici des espèces de, de, de fractures. Alors pour ça, on va utiliser l'outil correction, l'outil de clonage. On va mettre, <coughs> on va mettre une, auto, une opacité à 25%. Et la brosse, on va la mettre euh, de façon à recouvrir, mais pas trop, ses défauts. Voilà, donc ici, je fais un contrôle dans la zone que je veux cloner. Pareil pour là. Et on tamponne. Alors, alignement, je vais me mettre euh, aligné ici, comme ça. Hop. Et voilà. Donc ici, euh, euh, j'ai effacé tout, toutes les personnes. Notre plage est maintenant déserte. Nous allons maintenant utiliser la donne Liquid Resqual. Pour cela, je commence toujours par dupliquer ici mon image originale, puis je la masque, afin de vous montrer ce qui se passe avant et après. Je sélectionne le calque que je veux modifier, ici la copie. Je vais dans Calque, Liquid Resqual, je clique, la donne se lance, je vais demander ici à préserver certaines parties pour que le reste puisse s'agrandir. Je sélectionne ici. Et je crée un nouveau calque de sélection. Maintenant la couleur verte est sélectionnée. Je prends une brosse de grande taille. Puisqu'ici je veux garder un maximum de ma falaise. Voilà. De ma plage et donc je colorise ce que je veux préserver tout simplement voilà c'est fait donc je, je clique sur ok je dégraffe ici l'homothétie et je saisis une valeur donc on, ici on est à 3816 euh, 2816, pardon. Je vais mettre 3100, par exemple. Je clique sur OK. Et on voit ici en bas, Resetizing. Donc, l'application du greffon. Voilà. Le greffon est appliqué. Je peux maintenant cacher ce masque de calque ou l'enlever. Nous avons ici cette partie-là qui a été rallongée. Alors, je vous montre la partie rallongée avec resynthesizer et, et après, avant et après. Voilà, donc resynthesizer étant utilisé, je supprime cette photo, ce calque qui ne me sert plus à rien et mon calque d'origine, je peux le garder en souvenir mais lui-même ne servira plus à rien. Je n'oublie pas de faire fichier et enregistrer mon travail. Dans GIP, nous pouvons appliquer la règle des trois tiers assez facilement. Pour cela, il faut utiliser l'outil de sélection rectangulaire que je sélectionne. Dans la boîte d'options, nous avons ici une mise en vie en évidence que je sélectionne. Et donc on a les lignes du centre, euh, les, euh, les règles des tiers, cinquième, section d'or, les diagonales. Je vais utiliser pour ma part la règle des tiers. Je sélectionne ma photo. Et je cherche un point fort. Pour ma part, je voudrais ici avoir euh, une, une mise en évidence de ce point de falaise. Donc pour cela, je vais recadrer en mettant un point fort. Les points forts étant... Euh, le croisement de deux lignes. Donc ici j'ai un point fort. Alors vous m'avez dit vous allez me dire pourquoi s'embêter avec l'Iquidresqual pour par suite couper euh, une bonne partie de l'image. Très bonne question. Euh, juste pour vous montrer. Alors ici, voilà. Voilà, j'ai ma nouvelle image, je sélectionne. Voilà. Et donc cette image étant... Enfin, euh, cette partie-là a été sé sélectionnée, je peux maintenant euh, couper l'image. Donc pour ça, j'utilise... Tout simplement, euh, Image... Euh, Renier selon la sélection. Voilà. J'ai mon image qui est terminée. Elle, elle répond maintenant aux règles des trois tiers avec un point fort ici sur la falaise. Je peux enregistrer mon travail. Pour exporter une image, nous avons l'option fichier, export. Et on va leur donner un nom. Alors... Le mieux, c'est de prendre du PNG. Euh, pourquoi Parce que euh, le PNG permet de conserver le canal alpha. Alors, c'était photo originale, maintenant c'est euh, photo finale. Donc je donne un nom, photo. PNG, c'est par défaut, mais on peut choisir ici, dans cette boîte de dialogue, euh, d'autres formes de d'extension du jpeg du gif euh, du photoshop euh, et bien d'autres on peut aussi euh, compresser euh, faire des brosses si on souhaite faire une brosse bon l'image que l'on a faite ici euh, le but c'est quand même de la conserver de la visionner donc ça sera soit du jpeg soit euh, soit du png alors, comme vous voyez ici, All Export Image, c'est-à-dire qu'il prend toutes les, euh, tous les formats. Donc, GIMP sait reconnaître l'extension et lui applique directement le format qui va bien. En haut, ici, nous avons le chemin du dossier. On peut également créer un nouveau dossier. Alors, euh, comme j'ai ouvert GIMP, euh, Ici sur ce répertoire où j'ai fait mon tuto, il va effectivement euh, enregistrer ici. Sinon, vous pouvez rechercher ici dans la zone les disques et, euh, et les répertoires sur répertoire et enregistrer. J'exporte. Voilà. <coughs> Donc, ici, euh, bah, ma foi, euh, moi je laisse par défaut. On peut aussi mettre nos. <coughs> nos, nos euh, pardon des commentaires décidément je suis désolé un petit peu enroué je fais exporter Gimp nous annonce ici par sa barre de progression qu'il effectue l'exportation et nous avons maintenant notre image voilà et nous avons maintenant notre image ici euh, terminée alors je vais cliquer dessus et vous voyez bien que avant et après. On peut également, dans GIMP, exporter euh, pour le web. Donc c'est fichier Save for Web. Alors c'est une, une option, euh, un add-on hein, qui le fait. Et ça permet ici euh, d'optimiser, de, euh, euh, de, de prendre du PNG 8 ou PNG 24 pour, pour euh, réduire euh, le poids de votre image. Et ici on peut Ah, qu'est-ce qui s'est passé alors je reprends Enregistré pour le web et on peut ici vous voyez euh, prendre l'image à 25% donc il va faire la réduction automatiquement voilà on a à 424 kg alors que à 100% euh, si je prends du PNG 24, il est en train de le calculer, vous voyez, file size euh, inconnu. Et on peut donc euh, comme ça euh, enregistrer euh, pour le web. J'espère que ce cours vous aura plu. Je vous remercie, remercie de l'avoir suivi, il était très long. Euh, merci de bien vouloir vous abonner à ma chaîne, de mettre un petit plus, un, un commentaire, tout ça c'est très bon pour le référencement. Merci, à bientôt, bye bye